Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors, durant cette période confuse, l'Église Vase d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre sainte scène, faisons notre culte. Honnêtement. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre sainte scène, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Engrais 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le « je suis », celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « je suis », celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « je suis », celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « je suis », celui qui marche à tes côtés. Le « je suis », celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « je suis », celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « je suis », celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « je suis », celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « je suis », celui qui ne change pas. Le « je suis », celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « je suis », celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Ouvre les yeux des aveugles. Ce nom fait entendre les sourds. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Yeah.
Jésus,
Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants parce que tu trouves une solution. J'ai le regard fixé sur toi, le Christ. Nous te sommes reconnaissants parce que ce soir, nous savons une chose. Le mal qui tourmentait quelqu'un, le mal qui était dans ton corps, en ce soir, parce que les yeux rivés fixés sur le Christ Jésus, celui qui est la guérison, celui qui guérit son peuple, celui qui transforme le mal en guérison. Nous te sommes reconnaissants. Nous voulons t'acclamer le Dieu guéri, le Dieu qui guérit, le Dieu qui opère des prodiges. Parce que ce soir, nous savons une chose, tout ce qui est miracle et prodige, nous savons une chose, tu vas guérir un homme. Nous savons une chose, une femme va connaître un miracle là où elle est assise dans son salon, là où connectée à un terminal où tu entends ce culte ce soir. Il va te guérir. Et nous voulons acclamer le Seigneur en ce premier culte de week-end. Alléluia. Parce que tu es la solution. Ce soir, nous bénissons le nom de Jésus. Nous honorons le nom du Seigneur. Là où tu es dans ton salon, je veux te dire que ce soir, la guérison
va te visiter. Ce n'est pas par la puissance d'un homme, mais c'est par la puissance de Jésus le Christ, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui transforme. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu te souviennes, il est dit de Pierre et Jean, ils montaient, il était l'heure de la prière. Ce soir, c'est l'heure du message et de la prière. La Bible dit, pendant qu'ils montaient, Pierre et Jean ont vu un boiteux, ont vu un homme qui avait un handicap. Et cette nuit-là, ce jour-là, ils ont regardé Pierre et Jean, ils ont dit, nous voulons une offrande. Mais Pierre et Jean ont compris autre chose. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ça veut dire que l'or ou l'argent, c'est pour prendre des consultations médicales. L'argent, c'est pour t'emmener dans un hôpital. Mais ce jour-là, ils ont dit à ce boiteux, ni or ni argent nous avons. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je veux te dire ce soir, la parole qui viendra avec puissance va t'emmener de te lever de là où tu as été alité par la maladie et de marcher, de connaître la guérison. Parce que mon Dieu, ton Dieu que tu invoques est un Dieu de guérison. Alléluia. Et ce soir, nous ne pouvons pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Alléluia. La Bible nous exhorte, chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, de nous préparer à apporter des présents au Seigneur. Ce soir, nous voulons nous disposer et apporter nos dîmes au Seigneur et apporter notre offrande au Seigneur. Et la parole du Seigneur que je voudrais juste te communiquer ce soir, pour que tu comprennes l'esprit de ce que tu vas faire. Il est dit d'Abraham, dans le livre de la Genèse 22, que Dieu, à un moment donné, il est dit ceci, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique. » L'unique, c'est aussi le symbole de ce que tu as de précieux. L'unique, c'est ce que tu détiens, qui tient à ton cœur. C'est comme ça que peut être représentée la dîme que tu présentes au Seigneur. Vous savez, il est très facile d'apporter 90, mais il est souvent très difficile d'apporter le dixième. Et le dixième, c'est l'unique. Ce soir, nous voulons apporter nos dîmes au Seigneur. Nous ne payons pas la dîme. Nous apportons au Seigneur nos dîmes en symbole d'adoration et de louange. Nous voulons adorer celui-là au travers de nos biens qui nous guérit, qui nous restaure. Et la Bible dit, quand Abraham a vu le lieu de son offrande, il a dit à ceux qui étaient avec lui, « Vous restez ici, moi et le jeune homme, nous monterons pour adorer le Seigneur. » Quel que soit le mal qui est dans ton corps, quel que soit ce qui est en train de triompher sur ta vie jusque-là, si tu transformes ce temps en adoration, la guérison va venir à toi. Que Dieu nous bénisse. Et pour apporter les moyens, suivez des informations sur vos écrans pour choisir les canaux par lesquels vous voulez apporter votre offrande. Bon culte et que le miracle vous visite. En échange de ton amour, j'échouerai.
Dieu grand, Dieu fort, Dieu saint, Dieu élevé, Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui es si glorieux, qui es si puissant, si merveilleux, si glorieux. Des aveugles, c'est toi qui le fais. Tu es celui qui change les vies. C'est toi, Seigneur Dieu, qui change les vies. C'est toi qui le fais, Jésus. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Juste par ta parole, ce qui était mort reprend la vie. Ah mon Dieu, oh oh oh. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Seigneur, c'est toi qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu changes. Dans une parole, c'est qu'il était mort. Reprends la vie. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Seigneur Dieu, nous sommes là à cause de toi. Tu la mènes jusqu'au Dieu. Bout. Et tu la prends et tu la conduis jusqu'au bout, bout, mon Dieu. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Reprends la vie. Partout nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur Dieu, toutes les familles, touche les vies, Jésus. Que le nom de Jésus soit connu, que le nom de Jésus soit connu, Jésus, que ton nom soit connu. Le nom de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur, souffle sur les pays, touche dans nos villages, Seigneur, touche les peuples. Reconnaître le nom qui va guérir les nations. Le nom de Jésus.
para la gente de la bro, shai katari babe, brecha bradas gloria, la bradas gloria, la bradas gloria, la baba baba jo, rede gloria, la bradas oro, mara la canta, la babo, shenderi da brais, la brada babo, la rianda brada ke, aleluya, viens guérir les nations, viens guérir nos vies, viens toucher nos vies, viens guérir les vies, viens guérir Seigneur Dieu, mon Dieu, souffle sur nos pays, alléluia. On va dire encore, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Seigneur, c'est toi qui le fais, mon Dieu, c'est toi qui le fais, Jésus. Tu es celui qui change les vies. C'est toi qui change les vies. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Tu prononces une parole, ce qui était mort, le prend vie. Jésus-Christ. Encore, tu es celui qui fait marcher le paralytique. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui fait marcher le paralytique, qui fait entendre le sourd. Tu es celui qui change les vies. Et tu changes les vies, tu brises les chaînes, mon Dieu. Tu prononces une parole. Dis seulement une chose, Seigneur Dieu, et la vie prend place. Jésus, dis avec moi Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous glorifions Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous nous prosternons devant le nom de Jésus. À genoux devant le nom de Jésus. Le nom qui change les vies. Le nom qui libère les cœurs. C'est le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, glorieux,
Merveilleux, glorieux, merveilleux, glorieux, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons t'acclamer, Jésus, roi des rois. Nous sommes honorés, Saint-Esprit, d'être dans ta présence. C'est un privilège pour nous, c'est un honneur pour nous. C'est vrai, les cultes sont en ligne dans le monde, mais nous savons que tu es présent parce que tu es là par ta parole. Tu es là parce que tu l'as dit. Et nous sommes bénis, épanouis d'être simplement dans ta présence. Ce samedi des miracles. C'est un privilège, c'est un privilège, c'est un privilège, Seigneur Dieu. Oh Jésus, Jésus, nous sommes honorés, honorés de pouvoir nous tenir là et de parler de ta part, de chanter pour ta gloire, pour ta gloire. Les anges même n'osent même pas ôter leurs ailes pour te voir, pour te voir. Mais nous, tu nous as donné de te voir, tu nous as donné de te toucher. Tu nous as donné, Seigneur, nous apprécions et nous bénissons ton nom vraiment pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus. Voilà ce culte de samedi de miracles. Un moment, cet esprit où tu fais tellement de choses dans la vie des hommes et des femmes. Une fois de plus, nous nous mettons en tes mains. Donne-nous de recevoir ta parole parce que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. C'est ta parole, par ta parole tu guéris. Accorde à ton fils, à ton serviteur que je suis, de donner la parole qui va guérir un corps, guérir un cœur, guérir un esprit, qui va être ta réponse au problème, à la difficulté, aux difficultés d'un frère et d'une sœur, de quelqu'un quelque part dans le monde. Envoie ta parole qui va amener à la repentance et au salut quelqu'un qui va recevoir le message. Envoie ta parole et change les vies, change les cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia, quelqu'un acclame très 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 fort Jésus. Le Seigneur est bon, amen. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue au samedi des miracles. Le samedi des miracles. Samedi des miracles. Le lieu où Dieu fait des miracles. Où Dieu transforme les vies miracles. Par des miracles. Miracles. Il guérit les corps miracles. Au samedi des miracles. Quels que soient tes défis miracles. Regarde vers Jésus miracles. Et aie simplement confiance miracles. Tu verras un miracle miracles. Miracle de Jésus miracles. Miracle du Sauveur miracles. Miracle de Jésus miracles. Samedi des miracles. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chants. Alléluia. Worshipper family. Amen. Qui nous a connus dans ce moment. Et on va rentrer dans la parole de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc avant de prier pour toi, je sais même qu'avant de commencer, pendant ce temps d'adoration, le Saint-Esprit a déjà commencé à opérer, a déjà commencé à guérir, a déjà commencé à toucher. Cette atmosphère, c'est une atmosphère de miracle. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que je remarque souvent dans la parole de Dieu, c'est dans beaucoup dans mes méditations, j'en ai déjà parlé. Quand vous lisez par exemple Jean chapitre 5, pardon, Luc chapitre 5, chapitre 6, Jean aussi, même le chapitre 5, vous allez voir que Jésus faisait souvent des miracles le jour du sabbat. Et en Jean chapitre 5, il est dit qu'une des raisons pour lesquelles on voulait tuer Jésus, c'est parce qu'il opérait le jour du sabbat. Et il disait qu'il est le Fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc une des raisons, c'est le fait que Jésus se présentait comme Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et la seconde raison, c'est parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. Ça veut dire qu'une des spécialités de Jésus, c'était d'attendre le jour du sabbat pour guérir les malades. Donc les autres jours aussi, il guérissait les malades, mais le jour du sabbat en particulier, il guérissait les malades. Et l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention sur cette récurrence dans la parole de Dieu. Pourquoi particulièrement le jour du sabbat? Alors, parce que le jour du sabbat, le sabbat, c'est le jour de la liberté. Amen. Le sabbat, c'est le jour où, si quelqu'un... Merci pour la com qui nous a donné le verset. Tu vois, la Bible dit, on peut remonter un peu plus haut. Voilà, on remonte un peu plus haut. On va lire ensemble. Il est dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre
il appelait Dieu son propre suffisant, lui-même égal à Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'en Jean chapitre 5, c'est là que Jésus a dit au paralytique qui était au bord du réservoir de Siloé, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce miracle avait eu lieu un jour de sabbat. Et si vous remarquez, prenez le temps de parcourir le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que Jésus opérait souvent le jour du sabbat. Alors j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi particulièrement ce jour? Et c'est ce dont je te parle. Parce que Dieu avait donné une parole en ce qui concerne le sabbat. Il a déclaré que le sabbat, c'est le temps de la liberté. C'est le temps où étaient suspendues les dettes. C'est le temps où étaient suspendues les réclamations. Il y avait donc le sabbat hebdomadaire qui arrivait une fois par semaine. Il y avait des sabbats annuels. Il y avait le grand mouvement qu'on appelle le jubilé, c'est un sabbat. C'est un sabbat de plusieurs années. Alléluia. Après donc 49 ans, les 50 ans, on rentre dans le jubilé. Et à cette période-là, donc, les chaînes, les esclavages, les dettes, tous les compteurs étaient remis à zéro. Donc Dieu a envoyé le sabbat pour la miséricorde, pour le pardon, pour que toutes les chaînes soient brisées. Alors de manière symbolique et de manière très importante, Jésus-Christ, quand il opérait le jour du sabbat, c'est comme si ce jour-là était suspendu les réclamations sataniques. Parce que ces hommes, ces femmes qui avaient péché, qui avaient des dettes vis-à-vis, des dettes de réclamation vis-à-vis des liens de leurs parents, des différents types de liens. Donc l'Esprit m'a fait comprendre que Jésus opérait particulièrement le jour du sabbat, alléluia, parce que c'était un jour de liberté. Quelqu'un va me dire, ah mais ça veut dire quoi pasteur? Donc c'est le dimanche seulement que Dieu va faire les miracles. Bon, il faut savoir que dans la pratique, le jour du sabbat correspond exactement au samedi. Amen. C'est pas pour ça qu'on a fait le samedi des miracles. Bon, c'est un peu pour ça quand même. Alléluia. Voilà, oui, c'est pour ça qu'on a fait le samedi des miracles. Mais c'est pas à cause du... C'est pas parce que le sabbat n'est plus vraiment le samedi. La Bible explique que le sabbat se trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, Christ est notre repos. Christ est notre sabbat. Alléluia. Jésus est le sabbat. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en Jésus, toutes les lois de réclamation, de condamnation sont suspendues. Dès l'instant où on est conscient, et Jésus faisait des miracles le jour du sabbat, alléluia. Hein, là, comme, merci. Donnez-moi encore le texte, vous êtes inspiré. Allez, donnez-moi le texte que vous avez marqué là, pour que les gens sentent que ce qui est dit. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. On peut avancer. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Voilà, je ne sais pas si c'est après ça, on parle de Jésus bien avant. Bon, je vais voir le passage tout à l'heure. Amen. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Et quand tu vas lire le contexte, quand tu vas lire le contexte, ce repos de Dieu-là, c'est le Christ. Le Christ est le repos de Dieu. Donc, en Jésus, toutes les réclamations, toutes les condamnations, tout ce qui pesait sur toi est annulé. Il faut que tu le crois, il faut que tu le sentes. Alléluia. Donc, en établissant le sabbat, le septième jour, Dieu pensait en Christ. Parce que la Bible dit que toutes choses s'accomplissent en Christ. Ça veut dire, au niveau de Christ, se trouve la miséricorde, se trouve le pardon. Et à cause de Jésus, tout ce qui était réclamation est annulé. Et en ce moment-là, il peut opérer. Et ce soir, il va opérer. Pas parce que c'est le samedi, il opère lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Mais quand je priais pour le samedi des miracles, l'Esprit m'a convaincu de le placer le samedi. Alléluia. Pas parce que le samedi est spécial, mais pour rappeler que le vrai sabbat se trouve en Jésus-Christ. Amen. N'allez pas dire sur Internet quelque part là-bas que Pasteur Sanogo dit on prie seulement les samedis pour les malades. Alléluia. Voilà. Les miracles que vous voyez à l'écran, là, ça se passe très souvent les vendredis, les mercredis, les jeudis et les vendredis pendant que nous sommes en croisade. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, maintenant, frère, il faut que je précise tout. Hein. Si tu ne précises pas, demain, on va dire que Pasteur Sanogo est devenu quelque chose du septième jour. Que Dieu vous bénisse avant d'avoir. C'est juste pour rire. Ok, gloire à Dieu. Alors, c'est vraiment bien. J'ai pris cela pour introduire mon message parce que aujourd'hui, on va parler vraiment de liberté. On va parler de liberté. On va parler de briser les chaînes. J'ai commencé mon thème de ce samedi, le samedi passé. J'ai parlé, le thème, c'est deux grands liens mortels que Jésus brise. Deux grands liens mortels que Jésus brise. Alléluia. Donc, nous allons briser aujourd'hui, relâcher la parole pour briser les liens mortels. Des liens mortels. Et le samedi dernier, j'ai parlé d'un premier lien. Je vais l'achever. Et puis, on va toucher le deuxième lien. Le premier lien, c'est ce que j'appelais le lien de la mort. Le lien de la mort.
ou les liens de la mort. Voilà. Et les deuxièmes liens, le deuxième groupe de liens, pardon, c'est les liens de l'âme ou les liens du sang. Les liens de l'âme ou les liens du sang. Je ne dis pas que ce sont les seuls liens, mais le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ces deux liens parce qu'une grâce, une faveur, une puissance va être relâchée dans l'atmosphère à partir de ce culte et tous ceux qui sont sous l'emprise de liens de la mort vont être délivrés ce soir. Ils ont été délivrés samedi dernier, ils seront encore délivrés ce soir, alléluia, libérés de ce lien de la mort. Et tous ceux qui sont sur l'emprise, aujourd'hui, des liens du sang seront libérés. Si je ne finis pas aujourd'hui, je le continuerai samedi prochain. En fait, je vais rester là-dedans pour briser progressivement, tranquillement, différentes formes de chaînes et de liens. Je vais associer ces différents liens-là aux maladies, aux différentes formes de maladies. J'ai avec moi ici une liste de personnes qui vont être guéries, des personnes qui vont être guéries, que Jésus va guérir. Je sais que Jésus-Christ va vous délivrer. Alléluia. Donc, c'est la liste des personnes qui seront guéries qui est là avec moi. Il y a une bonne liste. Et j'en profite pour dire, pour ceux qui ne savent pas comment joindre la liste pour le samedi prochain, c'est très simple. Il faut aller sur notre site internet www.vasedonneur.org. Une fois que vous arrivez, vous cherchez la fenêtre ou l'onglet destiné au programme de prière pour les malades. Et là, vous avez un espace où vous renseignez votre nom, vous renseignez le mal dont vous souffrez. Et puis, vous avez quelques petits liens pour donner des remarques là-dessus. Mais c'est assez bref. On veut que ce soit assez succinct. Ça nous permet de classifier. Même si on a des cas qui se répètent dans plusieurs cas, quelquefois, on les répercute dans différents cas pour dire que telle personne a telle maladie et ça se répercute ici. Donc tout à l'heure, on va ensemble prier Jésus-Christ pour la guérison de ses frères, de ses sœurs, de ses parents, de ses amis. Alléluia! Quelqu'un donne un bon amen. Alors si quelqu'un a écrit pour son frère, pour sa sœur, pour son ami, pour qui que ce soit, tu dois maintenant faire en sorte qu'il écoute ce message. Qu'il écoute ce message. Donc appelle-le. Dis-lui, connecte-toi au message, au culte du pasteur Sanogo maintenant. Il va prier pour les malades. Mais Dieu envoie sa parole pour guérir. Donc, il faut que ton parent ait la foi, qu'il entende ce que je vais dire, afin que son cœur soit préparé à recevoir son miracle de guérison. On a plus de probabilité de guérir lorsqu'on a entendu la parole de Dieu. Car la parole de Dieu crée la foi. Et la foi va sauver ton parent, va sauver ton ami. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi et à lire le texte suivant de Jean chapitre 11. C'est un texte qui va nous aider à comprendre ce que c'est que les liens de la mort et puis à continuer avec les liens du sang ou les liens de l'âme, le point que je vais vraiment développer aujourd'hui. Et mon message d'aujourd'hui a aussi un lien avec le message que je donnerai demain, dimanche. Donc, si vous l'avez écouté aujourd'hui, n'oubliez pas de suivre aussi le culte de dimanche. Amen. Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Je fais la lecture. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Alléluia. Et normalement, je peux m'arrêter là pour ce que j'appelle les liens de la mort. Et nous pouvons continuer. On va continuer la lecture et puis revenir. Donc, Lazare sort, verset 44. Verset 44, il est dit, donc note bien qu'à partir du verset 44, on sera confronté à ce que j'appelle les liens de l'âme ou les liens du sang. Ok, Jean chapitre 11, verset 44, il est dit,
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Donc, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Donc, Jésus a délié. Jésus a dit ceci à ses disciples. Il nous a dit en tant que serviteur de Dieu, je vous donne le pouvoir. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc, nous avons reçu le pouvoir de briser des liens et de nouer des certains liens. Le lien que nous voulons nouer, c'est les liens avec le Christ, les liens avec Dieu. Nous avons le pouvoir de lier. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir? C'est de prêcher l'évangile et de rattacher, de lier une personne à Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi, que tu sois lié à Christ dans le nom de Jésus. Mais nous avons aussi reçu le pouvoir de briser tout autre lien du passé. Nous avons reçu le pouvoir. Et c'est investi de ce pouvoir que Jésus-Christ m'a donné que je vais prier pour toi, non pas seulement moi, mais tous les frères ici connectés. Nous allons prier ensemble pour que ces différents liens-là soient brisés et que nos frères et sœurs soient rendus libres par la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, je rappelle, un lien, c'est très simple. C'est l'image d'une corde. Amen. Je peux avoir déjà une corde. Alors, alléluia, on va me donner une corde. Voilà, peut-être même laisse les cordes même. Amène ça sur la table, quelque chose comme ça. Amène-moi un objet. Okay. Bon, j'ai pris la plus longue. Ok, gloire à Dieu. Donc là, je tiens une corde, ok? Ça, voilà, un lien, un lien. Alléluia. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait une illustration. Dimanche dernier, samedi dernier, pardon, j'ai expliqué un peu et puis on va voir les liens. Donc, quand on est lié, attaché, j'ai besoin de deux personnes. Hervé, viens avec, voilà. Amen. Bon, on est prudent, il y a un qui est masqué, tout ça là. Donc, voilà. On dit qu'il y avait un linge sur la tête de Jésus, donc sur la tête de Lazare, pardon. Donc, c'est toi qui vas faire Lazare. Ah. Bon, oui, toi, tu peux être lié parce que tu vas jouer un rôle qui n'est pas. Tu es prêt à jouer un rôle qui n'est pas trop bien. C'est pas grave. Ok. Bon. Alors, j'ai avec moi ici trois liens. J'ai avec moi ici trois liens. Et on va m'aider. Voilà, j'ai fait en sorte que, viens, les liens, les cordes n'ont pas la même longueur. Il y a un qui est plus court, un moyen et puis un qui est le plus long. Ok, c'est toi le lieu, c'est lui la victime. Donc, tu vas l'attacher, Hervé. Donne d'où tu es lié. Bon, aujourd'hui tu es délié au nom de Jésus. Non, il ne faut pas l'attacher. Chaque corde. Bon, donc, où est ta main droite, ton bras droit? C'est celui-là qui est le plus court. Celui-là, le lien le plus court, je l'appelle le lien de la mort. Il faut attacher. Tu sais faire un nœud, non? Bon, on va les délier, il ne faut pas trop exagérer. Ok. Voilà, ça c'est le lien de la mort. Les deux autres liens sont des liens de l'âme. Sont des liens de l'âme. Tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, sur l'autre bras, tu attaches un bras, pardon, voilà, et l'autre, tu attaches un pied. On va. Bon, c'est pas grave, peu importe, c'est question, on va comprendre. Ok. Viens. Il faut l'attraper maintenant. Tu attrapes les trois cordes. Voilà, tu attrapes les trois cordes. Mettez-vous comme ça pour que la caméra, qu'est-ce qui vous arrange?
Mais c'est pas moi qui l'attrape, toi tu le vois là. C'est toi le lieu. On ne va pas dire qui tu es. Tu es Amant. Amen. Mais il représente le lieu. Celui qui aime lier les gens. Ok? Alors, donc, le frère qui est là, et c'est la vie de beaucoup de personnes, a un certain nombre de liens. Dans mon message d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est deux types de liens. Mais dans le deuxième groupe de liens, on peut avoir plusieurs sous-liens. Ok? Voilà, on peut avoir plusieurs sous-liens. Alors, dans l'histoire que j'ai lue tout à l'heure, l'histoire de la résurrection de Lazare, Lazare était mort. Donc, il était paralysé, lié par la mort. Samedi dernier, je t'ai lu un texte qui expliquait un peu comment fonctionnent les liens de la mort. Et comme j'ai dit, je vais rattacher cela avec des maladies que Jésus va faire partir aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. En 2 Samuel chapitre 22 verset 5, David décrit un peu comment sont les liens de la mort. Il dit, car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Donc, on parle de liens de la mort lorsque vous êtes frappé subitement. David parle de surprise. La plupart des liens de la mort arrivent de manière surprenante dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. C'est un mal qui vous surprend un matin. Un matin, vous vous réveillez, vous partez à l'hôpital, vous avez mal quelque part, on remarque, on dit madame, on dit monsieur, on vient de voir une tumeur dans votre sein, une tumeur. Et dès l'instant où on l'a vue, dès l'instant où on la voit, ce mal-là va continuer de croître, détruire votre corps et vous entraîner vers la mort. C'est ce qu'on appelle un lien de la mort. Les liens de la mort, ce sont des maladies lorsqu'elles arrivent. Leur issue, c'est directement la mort. C'est comme ça que vous devez commencer à différencier un peu les liens. Lorsque un lien de la mort a été détecté, c'est comme une chaîne qui te tient captive et qui t'amène vers le tombeau. Pour le moment, laisse les deux là. Voilà celui que j'appelle, c'est le plus court, non, le lien de la mort. Voilà, tu laisse ça, tire-le, tu l'amènes vers la mort. Donc, avec le lien de la mort, chaque jour qui passe, fais avec conviction, tu es gentil. Hein? Voilà, chaque jour qui passe, t'attire vers le tombeau. Et ce sont des maladies, on va parler de maladies dégénératives, etc. Bon, c'est bon, il ne faut pas l'amener trop loin. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je ne suis pas venu t'expliquer comment fonctionne le mal, mais venu te dire que Jésus est sur le point de te délivrer. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous lisez ce type de maladie-là, vous partez, vous cherchez maladie dégénérative des organes. Vous allez voir des personnes qui sont subitement atteintes d'une maladie. Et puis, il y a certains, par exemple, qui détruisent les ossements. La personne voit son corps en train de se briser. Vous savez que même le diabète est un lien de la mort. C'est quelque chose qui arrive, votre taux commence à balancer. Plus vous restez là-dedans, plus il commence à vous détruire. À un moment donné, si vous ne faites pas attention, on peut même aller jusqu'à vous amputer de certains membres. Et puis, c'est une chose, tu n'en guéris pas réellement. Tu es toujours sous un contrôle. Tu es lié. Quand on dit tu es lié, ça veut dire tu ne peux pas faire certains mouvements. Ça veut dire tu es coincé. Ça veut dire tu es bloqué. C'est ce qu'on appelle un lien. Un lien limite tes mouvements, limite tes actions. Quand quelqu'un est frappé d'un diabète, il est lié. Son alimentation est paralysée. Sa vie est paralysée. Il doit faire attention à tout. Il doit faire attention à ce qu'il mange. Lorsque vous avez des trucs comme l'hypertension, vous êtes lié. Lié, ça veut dire vous perdez une certaine marge de liberté. Jésus nous a appelés à la liberté. Ce que Dieu veut, c'est ta liberté. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre. Ça suffit d'être paralysé. C'est vrai, il ne faut pas courir après le sucre, faire des excès. Tout excès nuit, tout excès est péché. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand tu n'as plus la liberté de pouvoir boire, ne serait-ce qu'un petit jus sucré, quand tu n'as plus cette liberté, c'est un lien. Quand les liens de la mort te saisissent et t'amènent droit vers la mort, c'est terrible. On va regarder rapidement une vidéo d'une sœur qui était venue ici
Un samedi, des miracles et une dame très belle. Pasteur, comment dirais-je, Hervé connaissait cette dame-là. Il dit, mais dans le passé, il me disait, mais pasteur, cette dame, une très belle dame, tout le monde l'appréciait dans le quartier. Mais cette belle femme, avec famille qui a les moyens, un jour, le lien de la mort l'a surpris. Il l'a frappé et il a commencé à la paralyser et il l'a tiré vers la mort. Est-ce que là, comment on peut avoir ce petit témoignage? Faire partager le témoignage que j'ai eu avec Jésus. Il m'a guéri d'une maladie dont je souffrais depuis 24 ans. J'avais une pathologie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Et cette maladie se traduisait par une déformation des articulations. C'est-à-dire que les articulations s'abîment et finalement on se retrouve avec vraiment le cartilage complètement abîmé. Donc ça se traduit par des déformations. Donc voilà, je vous montrer les séquelles de cette maladie qui m'ont vraiment déformé et les mains, et les pieds, les genoux, enfin, plusieurs parties de mon corps. Ça s'accompagnait de douleurs vraiment atroces. Je me suis retrouvée invalide complètement. Je n'arrivais plus à marcher. Pendant 6 mois, je ne pouvais plus marcher. Et pendant ce temps-là, pendant les 6 mois d'invalidité où je suis restée couchée, où c'était mon mari qui était obligé de me porter et tout, l'Esprit m'a vraiment mis à cœur d'écouter la parole de Dieu. Et j'ai cherché, parce que moi je suis de confession catholique, et je ne trouvais vraiment pas les enseignements qui m'intéressaient. Et un jour, je suis tombée sur les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo. C'était « Prier efficacement », je pense que c'était le premier enseignement que j'ai écouté. Et j'ai été vraiment édifiée par la parole de Dieu. Et la parole a vraiment commencé à agir en moi. Et j'ai commencé à me poser et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, bon Seigneur, tu fais des miracles, donc tu vas certainement me faire un miracle parce que tu ne m'as pas maintenu en vie 24 ans pour que je meure, parce que c'était la mort. La maladie que j'avais, c'était vraiment la mort, je partais, je mourais à petit feu. Et à un moment donné, j'ai fait un songe, j'ai dit à mon mari, bon, voilà ce songe que j'ai fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc je lui ai dit, bon, écoute, puisque je suis des enseignements du pasteur Mohamed Sanogo et que ça m'édifie, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Et donc, je me suis retrouvée là-bas. Le pasteur a dit d'avancer. Je suis venue, mais je n'ai pas pu tenir sur mes pieds. Donc, je suis repartie le week-end d'après. Et je suis restée à ma place. Et vraiment, j'ai posé vraiment un acte de foi. J'ai dit, Seigneur, ta main n'est pas courte. Je suis là, je ne peux pas aller. Mais je sais que tu vas me toucher, soit aujourd'hui, soit un autre jour. Mais je reviendrai jusqu'à ce que tu me touches. Parce que tu vas me toucher. Je sais que tu vas me toucher. Vraiment, la foi, c'était vraiment déclenché vraiment dans cette période-là. Et à la fin du culte, ils avaient même éteint les lumières, donc le pasteur restait un peu plus longtemps que d'habitude. Et j'ai mon voisin qui est venu vers moi. Il m'a dit, tu sais, ma femme avait cette maladie et le pasteur a prié pour elle, a été guérie. Je lui ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc il me dit, il faut à tout prix que le pasteur te touche. J'ai dit, mais le pasteur s'en va, il est pressé, tout ça, il ne peut pas s'arrêter pour moi seul et tout ça. Bon. Et c'est comme cela que le pasteur est venu. Il m'a imposé les mains et il m'a dit, bon, quand tu vas repartir en France, d'abord il m'a demandé si c'était une maladie qui se soignait. J'ai dit, non, c'est une maladie incurable et tout ça. Il m'a dit, non, avec Jésus, toutes les maladies sont... Il n'y a pas de maladie incurable. Il a prié pour moi et ensuite il m'a dit que quand j'allais repartir faire mes examens, parce que je me faisais suivre en France, mes examens allaient être... j'allais plus avoir la maladie et tout. Et donc je me suis accrochée à la parole parce que quand le pasteur a prié pour moi, le malin, c'est comme s'il m'attendait maintenant pour me faire le plus de mal possible. Il était là en permanence, c'est-à-dire c'était vraiment un combat de la foi. C'est-à-dire tous les jours, il me disait, oh, tu penses que tu es guéri? Parce que les douleurs, je vous assure, c'était comme si c'est maintenant même que j'avais plus mal. J'avais tellement mal. Mais j'avais toujours cette parole-là que le pasteur dit souvent, que la réalité n'est pas la vérité. Donc, à chaque fois, je disais, c'est faux, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Moi, je sais que je suis guéri. Mais ce n'est pas dans tous les cas que c'est automatique. Là, ça peut se faire automatiquement. Là, ça peut mettre du temps. Moi, ça a mis 2 mois, 3 mois même, avant que je me sente bien physiquement. Mais la guérison était déjà là. Donc, accrochez-vous. Une fois qu'on prie pour vous, une fois que vous avez pardonné, une fois que vous avez, on vous a imposé les mains et vous avez prié, persévéré. Et donc, un mois après...
je vais, je fais les examens, donc je dois rentrer chez moi et tout ça. J'ai pris mon temps, j'ai mangé tout ça parce que je me suis dit, au cas où. Bon, au moins, je me suis mise à l'aise et puis j'ai ouvert. J'étais toute seule dans mon appartement, j'étais toute seule. Et j'ai ouvert l'enveloppe et tout avec les résultats. Plus de traces de la maladie. Les trois valeurs. Alors, quand je vous en parle, je suis encore émue. Les trois valeurs étaient vraiment normales. Plus de traces. Je me suis étalée et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pendant au moins une heure. Parce que je venais de réaliser que vraiment, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une religion qui sauve. C'est Christ qui sauve, c'est Jésus qui sauve, c'est la parole de Dieu, c'est la foi. Vraiment, et mon médecin, il n'en revenait pas, il me dit, ben, écoute, vous êtes en rémission, 6 mois encore, vous revenez. Mais vraiment, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, c'est Dieu. Je pense que quand Jésus vient avec la guérison physique, il vient aussi avec la guérison de l'âme, il vient avec tout, je suis en paix, je suis contente, je me sens bien, je me sens libérée. Vraiment, j'ai la joie en moi, j'ai la vie, vraiment. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Quel merveilleux témoignage. Amen. Vous avez vu cette dame-là à la fin en train de marcher? Elle ne marchait pas. Je me souviens le jour où elle arrivait à l'église. Alléluia. Sur ce côté. Amen. Et elle est venue. Et on a prié. Ce même soir-là, elle a commencé à marcher. Je ne sais pas qu'après, elle a senti les douleurs. Mais le même soir, son mari l'avait soulevé pour venir. Et elle s'est levée, elle a marché dans la salle. On a célébré Jésus qui l'avait guéri. Amen. Mais ce jour-là, la parole de Christ était venue pour briser les liens de la mort. Les liens de la mort. Les liens de la mort peuvent être lents, comme ils peuvent être très rapides. Quand la maladie peut être très rapide et puis s'abattre sur vous et vous conduire. Ce sont des maladies, les liens de la mort sont des maladies qui arrivent et qui tuent progressivement vos cellules lorsqu'elles attaquent vos cellules. Les liens de la mort peuvent attaquer ton entreprise. Les liens de la mort peuvent attaquer certaines choses, attaquer un enfant. David dit, ils m'ont surpris. Quelquefois, vous ne savez ni d'où ils viennent. On regarde dans votre famille, on ne trouve pas. On regarde, on ne trouve pas. Il n'y a pas d'origine. Ils peuvent aussi venir par des liens de famille. Mais dans ce cas-là, on se retrouve un peu dans une combinaison avec les liens de l'âme. Mais Jésus-Christ, quelle que soit la force de ces liens, il les brise au nom de Jésus. Et l'issue finale des liens de la mort, l'issue finale des liens de la mort, c'est le tombeau. C'est la mort. Tu finis par mourir. Jésus-Christ s'est retrouvé avec Lazare. Lazare, lui, la mort avait fini avec lui. Les liens de la mort l'avaient saisi. Quelques jours avant que Jésus n'arrive, on a informé Jésus que Lazare était malade. Et cette maladie-là l'a entraîné directement vers la mort. Les liens de la mort, lorsqu'ils vous frappent, leur point final, c'est la mort. Tandis que les autres maladies qui viennent comme des liens du sang, ils peuvent vous laisser handicapé pendant longtemps. Ils peuvent vous laisser paralysé. Vous n'êtes pas mort, mais vous êtes limité dans votre action. Vous êtes limité dans ce que vous faites. Tandis que tout ce qu'on appelle les liens de la mort, le but final, c'est de mettre fin à tes jours. Le sida est un lien de la mort. Toute maladie dite incurable qui conduit à la mort est un lien de la mort. Même des maladies comme Alzheimer, Parkinson, tout ça, ce sont des liens de la mort qui détruisent les cellules du cerveau une à une. Et à un moment donné, qui te font tout oublier, qui tuent ta mémoire, qui tuent tes organes. Ces liens que cette dame-là avait tuaient ses os. Il y en a, le lien de la mort rentre dans leur sang et commence à tuer les globules, commence à tuer tes organes. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, Jésus vient pour dire, ça suffit. C'est fini. Mort, va-t'en au nom de Jésus. Où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. Et je déclare ces paroles dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, pourquoi je reviens un peu sur le lien de la mort pour prier pour toi, c'est la manière dont Jésus a opéré. Et tu retrouves cette façon-là dans le témoignage de notre sœur. Tu retrouves cela dans le témoignage de notre sœur. Alléluia. Alors, quand Jésus est confronté au lien de la mort qui est allé jusqu'à son terme, c'est-à-dire, Jésus a donné l'histoire de Lazare pour que nous comprenions que quel que soit le degré que les liens de la mort ont pu faire, quand Dieu dit ça suffit. Alléluia. Donc, on est dans le cas le plus total où la mort a été prononcée, la mort a été déclarée, il y a eu enterrement. Et quand il y a enterrement, les autres organes de Lazare ont commencé donc à pourrir. Mais quand Jésus arrive, voilà ce qu'il fait pour sortir Lazare de la mort.
La première des choses que Jésus dit dans ce passage, il dit, Jésus frémissant à nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia, quelqu'un avec moi, ôtez la pierre. Alors, pour briser les liens de la mort, la première des choses, il faut ôter la pierre. Dis à quelqu'un, ôte la pierre. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que si tu as quelqu'un pour qui tu veux que je prie, peut-être qu'il n'est pas là, tu dois lui dire d'entendre la parole parce qu'il est nécessaire, il est indispensable d'ôter la pierre. Jésus dit, ôter la pierre. Qu'est-ce que ça correspond, ôter la pierre? Tu vois directement la correspondance. On peut avoir le texte à l'écran. Verset 39 de Jean 11, ôter la pierre. Jésus explique de quoi il s'agit. Donc, ôter la pierre, ça c'est l'acte physique qui a été fait. On peut avoir Jean 11, 39. Ôter la pierre, ça c'est l'acte physique qui a été fait. Il est dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Vous voyez, dans l'histoire de la résurrection de Lazare, on présente un peu Marthe comme étant la croyante qui manque de foi. Okay? Elle croit en Dieu, elle croit que Jésus est puissant. C'est Marthe qui a dit à Jésus, même Marie aussi, si tu eusses été ici, mon frère serait guéri. Et quand Jésus lui parle, non, je suis la résurrection et la vie, Marthe va dire, oh, en tout cas, quand tu vas revenir, bref, à la fin du monde, Lazare va revenir à la vie. La réaction de sa sœur Marie était différente. Certes, elle a dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie a eu une autre attitude. C'est pourquoi quand j'enseigne là-dessus, je dis, Marie a déclenché la puissance de la résurrection. Ok? La première des choses, c'est que lorsqu'elle est arrivée, elle s'est prosternée même devant Jésus. Différemment de Marthe. Donc, le reproche de Marthe était, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Le réflexe de Marie, lorsqu'elle a dit, quand Jésus lui a dit, il a raison, elle dit, tu peux le faire encore. Donc, la pierre ressemble aux attitudes de Marthe. Les chrétiens Marthe sont des chrétiens qui maintiennent la pierre. Ce sont des chrétiens qui disent que l'histoire est finie. Ce sont des chrétiens, des gens, des croyants autour. Et ce sont vous êtes type Marthe lorsque vous mettez un point final, lorsque les liens de la mort ont pris place. Les Marthe, c'est tout ce qui est déclaration médicale pour dire on ne peut plus rien faire. Les Marthe, c'est tout. La pierre, c'est ce qui empêche même d'avoir accès au tombeau. Ok, pour que Lazare sorte du tombeau, pour que tu sortes de cette maladie dégénérative, cette maladie qui est en train de te détruire, il faut que tu ôtes la pierre. C'est-à-dire la mentalité de Marthe. La mentalité de Dieu ne fait des miracles que lorsque la science lui autorise. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu ne fait des prodiges que lorsque la science dit que c'est possible. Quand l'aspirine peut guérir, c'est là que Jésus peut guérir, profitant de la science et de la médecine. La science dit, mais c'est la science qui a dit. Dieu a créé la science. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Tu dois maintenant ôter la pierre en te disant, c'est encore possible. Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Il y a quelques jours, je passais des coups de fil aux frères qui sont les plus en difficulté. En ce moment, je fais des séries d'appels aux frères, à certains frères qui sont en difficulté par rapport à cette situation du vide zéro. Et je tombe sur un frère, je crois qu'il s'appelle Romain. Je tombe sur lui, il était tellement content. Ah papa, merci de l'appel, tout ça. Il dit, j'en profite, je veux rendre témoignage pour ma soeur. Lorsque vous êtes parti à la croisade de Korogo, ma soeur était en train de partir, de mourir. Son corps, elle n'arrivait plus à manger. Elle avait des douleurs partout, elle avait des malaises partout. Les liens de la mort avaient frappé cette pauvre dame. Et elle est venue à la croisade. Pardon, de loin, il a appelé, il a dit, ma soeur, il faut que tu ailles à la croisade. Elle est arrivée le premier jour, on n'a pas prié pour elle. Elle n'était pas contente. Vous savez, une chose que j'aimais beaucoup dans les croisades au Nord, souvent les gens étaient mécontents. Mais en fait, au début, je pensais que Dieu n'allait pas les guérir. Dieu me dit, non, même leur mécontent, leur mécontentement, c'est de la foi. Je dis, mais comment c'est de la foi? Ça veut dire, Dieu me dit, tu vois, ils sont tellement sûrs qu'ils doivent être guéris que ne pas être guéris, c'est ce qui est anormal. Donc, quand ils ne sont pas guéris, ils trouvent qu'il y a une anormalité. Parce que pour eux, c'est évident que Dieu est au-dessus de tout. Vous savez, dans la ville de Korogo, de Puntali, de Tengrela, on a vu des miracles. Des fous qui ont été guéris instantanément, des choses extraordinaires. Et ça, c'était un des miracles de Korogo que je ne savais pas. Cette dame-là est en train d'aller à la mort. Donc, premier jour, on n'a pas touché. Donc, elle appelle son frère, elle dit, elle est fâchée. Elle est fâchée, comment elle dit? Non, elle, en tout cas, on n'a pas touché, elle ne comprend pas cette histoire. Le frère dit, va quand même. Elle est partie le deuxième jour. Quand la croisade est finie, elle n'a pas senti la guérison. Elle se plaint que ce n'est pas normal. Elle est partie, elle doit normalement recevoir sa guérison. Et je crois, un mois, il m'a dit, je ne sais plus combien de semaines après. Elle dit, il dit la dame, parce que lui, il a dit à la dame, la parole a été déclarée, crois seulement. Crois seulement. Dieu est en train d'opérer son miracle. Et elle dit un soir, cette dame qui n'était même pas chrétienne,
Un jour, elle a été visitée comme par le Seigneur, par un ange, qui lui a fait quelque chose. J'oublie un peu le il faut qu'un jour il vienne en témoignage, qui lui a dit une chose dans son sommeil. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est sentie bien, elle est guérie, elle a appelé son frère. Aujourd'hui, la dame mange à nouveau, elle a repris du poids, elle a été totalement guérie. Les liens de la mort ont été brisés. J'ai vu des personnes guéries du cancer. Mais des chrétiens n'en guérissent pas. Parce que certains n'en guérissent pas. Parce qu'ils ont placé le rocher devant. Ce sont des adorateurs de Dieu comme Marie, comme Marthe, pardon. Ce sont des gens qui viennent à l'église comme Marthe. Ils sont paralysés par les habitudes. Ils sont comme les gens du village de Jésus. Qui sont tellement habitués. Et souvent les plus incrédules, ce sont les chrétiens. Ça veut dire qu'on est tellement habitué, on a vu tellement de choses, on a tellement l'expérience du pasteur qu'on n'a pas cette foi d'un enfant, cette foi simple qui dit « c'est encore possible ». Que Dieu n'est pas limité, il n'a aucune limite, il est au-dessus de tout. Ôte la pierre. Dis à quelqu'un, ôte la pierre. C'est la première des choses. Ça veut dire brise cette forteresse d'incrédulité. Sache que Dieu peut le faire et tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Alors Jésus continue en disant à Marthe, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. C'est-à-dire, s'il ne sentait pas Jésus, peut-être tu peux espérer. Mais où il est arrivé là, Jésus? Tu crois qu'il faut laisser l'affaire tranquille. Vous voyez ça? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôte la pièce, ça veut dire, ôter la pièce, ça veut dire, c'est encore possible. Ôter la pièce, ça veut dire, aie encore de l'espoir. Ôter la pièce, ça veut dire, rêve encore. Ôter la pièce, ça veut dire, attends-toi encore à Dieu. Ôter la pièce, c'est ça, ôter la pierre. Mais ôter la pierre, c'est, tu peux savoir que Dieu peut le faire, ça c'est ôter la pierre. Mais fais un deuxième pas. Alléluia. Crois que tu vas être guéri. Crois que ce mal va s'arrêter. Comme cette femme qui a rendu ce témoignage tantôt. Elle dit, elle est arrivée, elle a cru. Même quand la douleur a persisté après la prière, elle a continué de croire. Elle s'attendait à Dieu. J'ai un autre témoignage d'une dame, je crois qu'on l'apprendra un autre jour, qui rentre. Comment est-ce qu'on a vu le cancer dans son corps et comment elle a continué de croire. Elle a répété le même message que j'ai prêté, dont j'ai parlé. Ce n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Si la réalité est contraire à ce que dit la Bible, c'est un mensonge. Rejette la parole. Rejette la parole. Et cette dame-là aussi a fait ça. Et le cancer a disparu au point d'autres médecins disent, madame, vous n'avez jamais souffert d'un cancer, c'est n'importe quoi. Pourtant, elle en souffrait. Plusieurs des IRM, tout avait montré cela. Mais elle a rejeté dans son corps. Elle a rejeté dans son cœur. Elle a cru en la capacité de Dieu. Et les mensonges du diable ont été exposés. Ce soir, expose-les dans le nom de Jésus. Prends ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Waouh. Amen. On doit courir pour pouvoir prier à cause du temps. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Donc après avoir dit à Marthe de croire, ils ont ôté la pierre, Jésus a levé les yeux en haut. Jésus a levé les yeux en haut, ça veut dire élever le Seigneur. Il a élevé Dieu. Il a élevé Dieu. Il a élevé Dieu. Pendant que je commence à parler, élève le Seigneur. Dis que tu es plus grand que tout. Personne. Donc Jésus, devant le lien de la mort, il fait ôter la pierre d'abord. Il a dit c'est possible. Il dit de croire. Ça, tu crois. Mais devant le lien de la mort, c'est pourquoi on a commencé à chanter ce chant. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. C'est ce chant qu'on a chanté tantôt. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Jésus-Christ lui-même a levé les yeux vers le Père. Rien ne t'est impossible. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, avant que nous commençons à prier pour les malades, avant qu'on ne commence à exposer ces différents cas, peux-tu élever le Seigneur? Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom qui est élevé au-dessus de toutes choses. C'est ce que Jésus a fait. Et le dimanche dernier, le samedi dernier, pardon, je t'ai dit la même chose. David dit, David a élevé le nom du Seigneur. Il est au-dessus de la science, il est au-dessus de la médecine. Donc c'est le moment où tu dis, Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Les chants, vous allez prendre combien de temps pour arriver. Soyez rapide. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
La dernière fois, on a fait cette prière. Une maman était fatiguée. Son enfant autiste, son enfant en retard, son enfant qui tombait tout le temps. Je me souviens de ce même enfant et je suis parti pour lui prier pendant qu'il était à la pisame. La tête était enflée. C'était le sang qui était dans son cerveau. Quand tu voyais l'enfant, il ressemblait à la mort. Les liens de la mort avaient saisi ce garçon. Mais là, dans la chambre, nous avons élevé Jésus. Jésus! Au-dessus de tout. Quand tu voyais les médecins, tu savais qu'ils étaient là juste en train de dire que c'est bientôt fini. Jésus, madame en train de lui donner encore de l'espoir parce qu'un médecin ne doit jamais jeter l'éponge. Un médecin doit continuer de soigner. Mais il sentait qu'il ne s'attendait plus à rien. Cet enfant allait partir. Non. Ça, c'est vous qui le dites. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, quand vous êtes confronté au lien de la mort, élevez Jésus. Quand vous êtes confronté au lien de la mort dans votre entreprise, les saisies de la mort, votre boîte, si vous attendez un miracle comme ça, il faut que vous élevez Jésus. Il faut garder les yeux levés. Jésus-Christ lui-même a levé les yeux. Il n'a pas prié en regardant le tombeau. Il n'a pas regardé, il s'est pas limité aux odeurs qui devaient sortir de la pierre qui devait sortir du caveau, qui devait sortir du tombeau. Jésus n'a pas regardé à ça. La Bible dit, quand ils ont ôté la pierre, il n'a pas dit, non, je vais aller le voir. Il n'a même pas cherché à le voir. Il a levé les yeux en même temps. Il dit, papa, tu es plus grand que ça. Tu es plus grand. Tu es élevé au-dessus de tout. Et Jésus a dit ceci, Père, je te rends grâce. Tu vois comment il élève le Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Alléluia. Alors, c'est ce que je vais déclarer maintenant. Tous ceux qui sont ici, dont les noms sont ici, je vais citer un peu rapidement tout à l'heure quelques liens du sang, mais tous ceux qui sont là, nous allons dire tout à l'heure, Lazare, sors. Alors, prends les trois cordes. Amen. Alléluia. Il prend les trois cordes. Le frère est paralysé. Le frère est bloqué. Le frère ne peut plus rien faire. Le frère est bloqué. Ce lien-là, que j'ai appelé, il est beaucoup plus court. Tu vas voir tout de suite. Et Jésus va dire ceci. Lazare sort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, élevé au-dessus de tout nom. Personne malade, frappée par un lien de la mort, quelle que soit la forme que ça a prise, Seigneur Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Peu importe ce que les expériences déclarent, nous voilà ce que nous disons, tu es Dieu, tu es élevé au-dessus de tout. Dans le nom de Jésus, 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 que les liens de la mort soient brisés à cet instant même. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, je donne à cette maladie, à la mort, de s'éloigner de ton corps, de tes entreprises, de ton sang, de ton cerveau, de ton poumon, de tes jambes, de tes pieds, de tes reins, de ton dos. Esprit de mort, je te l'ordonne au nom de Jésus, lien du sépulcre des morts, je te commande. Dans le nom de Jésus, tu es brisé. Maintenant, je te coupe dans le nom de Jésus. Lâche-le et retourne du sépulcre d'où tu es sorti. Je te l'ordonne au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Lien de la mort, je me tiens contre toi, je me dresse contre toi et je dis, ça suffit, tu pars maintenant. Lâche les corps, lâche les vies, libère cette femme qui souffre de cancer, libère cette personne qui souffre du vide de zéro, libère ces hommes, libère ces enfants, libère-les dans le nom de Jésus. Tu es totalement illégal. Je me tiens dans le sang de Christ et je dis que la vie qui vient de Dieu entre dans ses corps. La vie qui vient de Dieu entre dans les corps. La vie qui vient de Dieu entre dans les os. La vie qui vient de Dieu entre dans les yeux qui sont en train de mourir. La vie qui vient de Dieu entre dans les os qui sont en train de se détruire, de s'auto-détruire, dans le sang qui est en train de s'auto-détruire, dans cette maladie de globules blancs qui vient de détruire le reste du corps au nom de Jésus-Christ. Maintenant,
La vie divine entre dans les corps. La vie divine entre dans tes affaires. La vie rentre dans ton projet. La vie de Dieu, 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 là où tu es, la vie de Dieu, là où tu es couché sur ton, sur le lit de mort. La vie de Dieu arrive là-bas et la vie de Dieu te ramène d'entre les morts. Reçois la vie divine. Tu sors de l'esprit de la mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la vie de Dieu entre dans ton corps. La vie de Dieu entre en toi. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Je te rattache maintenant à la vie. Il a dit, j'ai le pouvoir de délier et de lier. Je relie ce corps-là à la vie. Je coupe les chaînes de la mort et je les relie à la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Peuple de Dieu, élevons la voix. Prions, prions pour tous ceux qui sont frappés par les liens de la mort. Et appelons, chassons les liens de la mort et appelons la vie. Tous ceux qui sont connectés et qui sont sous l'emprise d'une manière ou d'une autre, d'un lien de la mort qui les a surpris ou qui est venu par hérédité, peu importe, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lien de la mort, tu es brisé. Lien de la mort, tu es brisé. Lien du sépulcre, tu es brisé. Lien du sépulcre, tu es brisé. Et la vie divine, 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 la vie divine. Ton cerveau devient étrange. Jésus rentre dans ton cerveau. Tu commences à avoir des maux de tête étranges qui peuvent t'entraîner vers la mort au nom de Jésus. Esprit de mort, tu t'en vas. Esprit de mort, tu t'en vas. Esprit de mort, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Dans tous les corps, la vie divine entre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce qui s'est passé, amen, ce qui s'est passé, voilà comment ça se passe. Quand vous dites, vous brisez le lien de la mort, voici les liens de la mort. Je viens. Au nom de Jésus, lien de la mort, tu es brisé. C'est pas facile à couper. On va couper au nom de Jésus. Tu es brisé. 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 Continue, brisé, brisé. On brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Les liens de la mort sont brisés. Alléluia. Amen. Mais maintenant, rapidement, touche un peu les liens de l'âme. Ok? Alors, quand les liens de la mort sont brisés, vous voyez, les liens étaient plus courts, ça le paralysait. Rapproche un peu. Les liens de la mort pouvaient se tenir là. Quand les liens sont brisés, paf, essaie d'avancer, essaie d'avancer. Mais il est bloqué par d'autres liens. Ce fut le cas de Lazare. Il est sorti de la mort, il est revenu à la vie, mais il était bandé. Il était lié. Et c'est comme ça fonctionne les liens de la mort. Les liens de l'âme. Les liens de la mort sont beaucoup plus courts. Quand les liens de la mort vous prennent, vous sentez que vous partez. C'est comme si, quand on te dit ton futur c'est la mort. Quand les liens de la mort sont dans ta vie, tes planifications sont, je risque de partir d'un moment à l'autre. Quelqu'un qui n'a pas de lien de la mort, il rêve, il espère. La mort peut le surprendre, mais il espère. Quelqu'un qui a le lien de la mort, il conjugue son futur au tombeau. Et c'est terrible, le lien de la mort. C'est terrible, le lien de la mort. C'est terrible. Des trucs comme la drépanocytose sont des liens de la mort. On dit voilà, tu ne peux pas te passer tel âge. Tu vas partir d'un moment à l'autre. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, ton sang a été renouvelé. Les chaînes de la mort ont été brisées. Et la vie divine est en toi. Mais Lazare étant délivré de la mort, il était lié. La Bible dit au verset 44 de Jean 11. Et le mort sortit. Mais la Bible dit quoi? Les mains, alléluia, et les pieds liés. Les mains et les pieds liés. De bandes et le visage, là c'est son masque, hein, mais le visage enveloppé d'un linge. Et c'est là Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors on voit d'autres liens en train de se manifester. Tu es vivant, tu ne meurs plus, mais tes pieds sont liés. Les liens que j'appelle les liens de sang, vous allez comprendre peut-être le samedi prochain, qu'est-ce que je veux dire par là. En fait, tu peux savoir que tu vas mourir, mais ta vie n'avance pas. Tu es bloqué, tu n'avances pas. Beaucoup de chrétiens ont reçu la vie lorsqu'ils ont cru en Jésus. Ils ont été délivrés des péchés. Ils vont au ciel. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie. Le salut de Jésus qui rentre dans notre cœur. C'est un lien de la mort qui a été brisé. Car tous sont péchés et sont condamnés à la mort à cause de notre péché. Mais quand nous avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la vie est entrée en nous. Nous avons été là, nos péchés ont été pardonnés, la vie est entrée en nous. Mais il se peut que d'autres liens soient persistants. Des liens qui bloquent ton entreprise, ton travail, ta vision. Il avait le visage bandé. Ça veut dire qu'il y avait un lien sur son visage. Lazare était ressuscité, mais Lazare n'arrivait pas à voir.
Lazare était ressuscité, mais Lazare ne pouvait pas marcher. Lazare n'était plus mort. Lazare avait la vie, mais dans la vie, il ne pouvait pas avancer. Quand les liens de l'âme vous paralysent, les liens de l'âme peuvent vous maintenir dans la pauvreté, vous pouvez mourir jusqu'à 100 ans, mais vous êtes dans la galère. Les liens de l'âme sont capables aussi de créer, d'engendrer des maladies. Ce sont des maladies handicapantes, sans pour autant être mortelles. Sans pour autant être mortelles. La Bible dit que Jésus arrive dans un endroit, il trouve une femme qui est courbée depuis près de combien d'années là? En tout cas depuis très longtemps, depuis 17 ans. Elle était courbée, c'est ce qu'on appelle les liens de l'âme. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça les liens de l'âme et du sang. Je l'expliquerai mieux le samedi prochain. Elle est handicapée, elle vient tout le temps au temple de Dieu. Elle vient toujours dans la maison de Dieu, mais elle est liée. Et Jésus a prononcé justement cette phrase. Alléluia. Il dit, cette femme que Satan tenait liée, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée aujourd'hui? Parce que là encore, Jésus a fait le miracle le jour du sabbat. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Tu vois, toujours le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, etc. Amen. Et plus tard, quand on continue, la Bible dit, Jésus est venu pour la délivrer. Jésus aujourd'hui veut te délivrer. Dimanche prochain, samedi prochain, je ne sais pas pourquoi il dit dimanche, samedi prochain, on va travailler ces points. Amen. L'Esprit a voulu qu'on reste encore un peu pour briser les liens de la mort. Mais je vous assure, les liens de l'âme, je ne sais pas, c'est énorme la façon dont les gens sont comme cette femme-là qui est dans l'église, qui vient tout le temps au temple, mais qui est courbée. Toujours caractérisée des liens de l'âme. Courbée, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à avoir une vision. Parce que toute sa vision va vers le sol. Courbée, c'est paralysé. Courbée, mais tout en étant pieux. Lazare, revenu à la vie. Et ces liens-là viennent de maladies. Le lien de sang peut donner des maladies. On va les voir. Je te parlerai. Je dis quelque chose là-dessus pour la prière, sur ma dernière prière. Alléluia. Il y a trois types de liens de l'âme. D'abord, il faut savoir que dans le livre de Deutéronome 12, 23, Lévitique 17, 4, 14, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Deutéronome 12, 23, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme dans la chair. Petit conseil pratique, s'il vous plaît, ne mangez pas de viande saignante. Parce que vous mangez l'âme des animaux. Quelqu'un me dit, non, parce que c'est la loi. Je ne sais pas si depuis qu'on est passé dans le Nouveau Testament, l'âme a disparu du sang. Tu comprends, non? Amen. On n'est plus sous la loi. Non. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on consomme lorsqu'on mange. Maintenant, est-ce que Dieu te condamne à en faire ou pas? Je ne sais pas. Mais je sais que si Jésus l'a interdit, si la Bible l'a interdit dans le passé, c'est qu'il y a une conséquence. Voilà. Pour celui qui consomme, il faut faire partie le sang quand tu dois manger. Il faut faire partie le sang par le feu. Il faut l'enlever et tu enlèves l'âme du bœuf. Tu lui fais partir l'âme du mouton. Voilà, si tu manges ça, je ne sais pas. Moi, je soupçonne que ce sont ces maladies, ces trucs-là qui ont envoyé des maladies très étranges sur la terre. Voilà, qui font que les gens perdent la mémoire et des gens deviennent étranges, se comportant souvent comme des animaux. Ah, mais si tu manges l'âme de l'animal, qu'est-ce que ça peut te donner? Ok, bref. Donc, quand on parle de l'âme, de lien de l'âme, on va parler de lien du sang. Et il y a trois groupes là-dedans que nous allons traiter en détail la prochaine fois. Il y a ce que directement, plus littéralement, j'appelle lien de sang. Okay? Pourquoi lien de sang? Parce que ce sont des liens parentaux. C'est mon père qui m'a enfanté. Nous avons le même sang. Ça s'appelle ça donc le lien de sang. C'est pourquoi mon grand titre dit briser les liens de l'âme pour différencier l'âme du sang. Même si les deux sont pareils. Je ne sais pas si tu comprends. Mais quand on dit, par exemple, celui-là, c'est mon frère, même père, même mère, nous sommes en train de dire que nous avons le même sang. Nous avons le même sang. Voilà. Et ça entraîne certains types de liens dont on va parler, on va décrire certains liens d'hérédité, certains liens de ceci, etc. Mais tout dans les liens de sang ne sont pas forcément des liens héréditaires. Dans le sang et l'âme sont pareils. Il y a, je l'ai donné il n'y a pas très longtemps aussi ce message, le sang, avec sa fonction d'âme, mémorise des informations.
ils mémorisent des informations. Tout ce que les gens appellent en fait lien d'hérédité, lien de réclamation, en fait, c'est de la mémoire. Le sang, c'est la première catégorie, le sang transporte des informations. Donc le sang amène d'un père à un fils la forme des yeux. Le sang se souvient de comment les yeux de papa et de maman étaient. Le sang mémorise le corps de papa et de maman. Et le sang qui rentre dans l'enfant dit, voici comment tes parents étaient, voici comment donc tu seras. Tes doigts vont prendre la forme des doigts de papa ou de maman. Tes gestes vont prendre les formes de la gestuelle de tes parents. Alors, beaucoup de personnes croient que la mémoire du sang se limite à l'apparence physique. Le sang transporte plus que l'apparence physique. Cette mémoire-là, alors qu'on va appeler donc les gènes, les chromosomes ou autres, cette mémoire-là mémorise aussi des maladies, des défauts de caractère, des défauts d'attitude et mémorise certaines informations telles que l'espérance de vie. Telles que l'espérance de vie. Alors, si le sang a mémorisé dans le sang de ton aïeul que on ne dépassait pas dans cette région l'âge de 65 ans et que l'information est répétée, elle n'est pas effacée à temps, elle est capable, lorsque tu vas t'approcher de l'âge de 60 ans, le sang va crier à ta mort. Il va appeler, lui là à 60 ans, on doit finir avec lui. Mais je vais t'expliquer, parce que vous savez, les gens ils aiment trop quand ça se passe sur les problèmes, je vais t'expliquer que le sang de Jésus, alléluia, le sang de Jésus. Et c'est pourquoi tout à l'heure, on va prendre la Sainte-Seine. Vous savez comment prendre la Sainte-Seine? La Bible parle d'une chose. Jésus dit, quand il allait prendre la Sainte-Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il parle de la mémoire. Il parle de la mémoire. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 14, la Bible dit, combien le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle que le sang de Jésus-Christ, donc il y a un autre sang, le sang de Christ, va venir purifier notre conscience. La conscience, je vous l'avais dit, c'est un point de jonction entre l'âme et votre esprit. Donc la conscience est une partie du sang. Donc c'est dans cette partie-là qu'il y a des mémoires dont vous êtes conscient et des mémoires dont vous êtes inconscient. Il y a des qualités qui sont sur votre papa qui reviennent dans votre vie. Il y a le niveau, le sang peut mémoriser le degré financier de tes parents. Si le sang de Jésus, la mémoire de la victoire de Christ ne vient pas effacer la manière dont ton papa a été bloqué dans les finances, sa vie n'a pas avancé. Si tu n'as pas traité avec ça, par l'application et la foi dans le sang de Jésus, ta vie peut être liée. Tu as la vie en Jésus-Christ, tu es sauvé par Jésus, et donc par Jésus, on est venu couper le premier lien, mais le lien du sang dit que la mémoire qui est dans votre sang familial dit que quand tu es venu, mais pasteur, non, Jésus nous a délivré. Je vais t'expliquer comment Jésus nous délivre et comment ta foi doit fonctionner pour que cette chaîne-là soit effectivement brisée. C'est de ce dont je parle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est ce dont je te parle. Amen. Je veux te parler de la victoire de Christ. Mais ça ne dénie pas ou ça ne renie pas l'existence du lien. Tu me comprends? Le lien existe. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de délier. Donc, il y a des choses à délier. Les liens existent, mais il faut les délier, il faut les briser. Et ne rentrez pas dans une affaire de... Une fois que c'est délié, vous avez toujours l'impression que vous êtes lié. Ok? Aujourd'hui, seulement, je traite juste la mémoire du sang. Ok? Mais il y a d'autres paramètres du sang qui sont encore dans le sang dont je parlerai les prochaines fois. Et je t'assure combien de personnes vont être délivrées, guéries, etc. Donc, le sang, il peut mémoriser les maladies. Donc, on va parler de maladies héréditaires. Le diabète peut être un problème de sang. Donc, si le sang était chez papa, il a mémorisé. Il y a des maladies qui n'ont pas été mémorisées dans le sang. Il y a des maladies qui n'ont pas été mémorisées ou la mémoire n'est pas agissante dans la première génération. Il y a des personnes qui ont les yeux de leur grand-mère. C'est-à-dire, dans les parents, la mémoire des yeux de la grand-mère n'a pas été réactivée. Ça a été réactivé deux générations plus tard. Donc, il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient qui vont réapparaître plus tard. OK? Le truc, c'est que
Si le sang a mémorisé la pauvreté, le blocage, un certain nombre de choses que tes parents n'ont pas, et c'est ce dont je parle, je parlerai donc demain dans le culte du dimanche aussi. Amen. Ce que j'appelle la maison de ton père. La maison de ton père. Donc, la maison de Térakh. Térakh, qui était le père d'Abraham, n'a pas pu atteindre certaines dimensions. Et tant qu'Abraham ne brisait pas ses liens, il lui était difficile de pouvoir aller vers ce que Dieu lui avait promis. C'est pourquoi briser les liens du sang est très important. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Abraham s'est converti. Mais après quoi, il était comme paralysé par un attachement. Et ça, je toucherai aussi le samedi prochain. Est-ce que... Il y a un aspect du chant. Je vais te montrer, tu vois, les hommes que tu as aimés, les femmes, les gens que tu as trop aimés, ça aussi, ça rentre dans ton sang. Et ça peut constituer pour toi un lien de sang. Jacob a failli mourir à cause de son attachement à son fils. Lorsque on lui a dit qu'on partait avec... pour lui, Joseph était mort. Donc Benjamin, quand ses frères aînés, ses fils aînés sont venus dire, donne-nous Benjamin, on va l'amener en Égypte. Il a dit ceci, il dit, vous allez faire rentrer mon âme. Parce que, et il a dit, parce que mon âme est attachée à cet enfant. Il y a des fois, votre âme a été attachée à des choses ou à des personnes. Et lorsque ces choses-là commencent à dégringoler, commencent à tomber, commencent à défaillir, vous aussi, vous êtes emporté envers cela. C'est une autre forme de lien de l'âme. Mais je les aborderai plus tard. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va laisser le sang de Jésus-Christ agir et venir déprogrammer. La Bible dit, le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc, dans la conscience, il y a des œuvres, oui. Il y a des œuvres mortes. Des œuvres qui entraînent la mort. Il y a des œuvres mortes dans la conscience. Ce n'est même pas physique. Qu'est-ce que c'est que ces œuvres mortes? Je vois les maladies, mort des projets, mort avant le temps, ou maladies même qui ne te tuent pas, paralysies diverses, toutes sortes d'informations qui sont stockées dans ta conscience. Mais la Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le sang de Jésus. Jésus a dit, pendant qu'on prenait la Sainte Cène, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ma victoire. Pour briser ce genre de sang, ce lien de sang, alléluia, pour briser, amen. C'est une affaire de... Tu dois déclarer la victoire du sang de Jésus. La Bible parle de l'aspersion du sang. Quand tu sens les liens de sang qui sont en train d'agir, j'ai d'autres éléments que je te donnerai en complément le samedi prochain. Mais toi, dans ce type de lien, quand on était avec le lien de la mort, tu as élevé Jésus. Tu as élevé Jésus. Dans les liens du sang, il faut élever le sang de Jésus. Il faut glorifier le sang de Jésus. Par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, je suis purifié. Par ton sang, j'ai la victoire. Alors, mon ami, si tu ne sais pas si c'est un lien de la mort ou bien un lien du sang, peu importe, mon frère. Tu élèves Jésus, tu appliques tout, tu bombardes de tous côtés. Yes, de yes. Tous côtés, tu mitrailles tous les côtés. C'est qui est sûr? Ça va marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Le sang de Jésus. Ça fait un sens sur le sang, là. Je suis à le sang. Franchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis à... Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix, c'est le meilleur des sangs. Pourquoi c'est le sang de Jésus? Parce que nous étions liés par nos sangs, les faiblesses de nos parents, la pauvreté de nos parents, les limites de notre famille, les limites même des propres maladies que nous-mêmes on a acquises, ce que nos parents ont acquis, ce qui est rentré par nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous engendrons aussi d'autres mémoires dans notre sang. Notre sang était empoisonné. Les différents liens d'hérédité, tout cela font partie de ce fameux lien de l'âme. Mais dans le nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est plus puissant. Ma soeur, mon frère, élève le sang de Jésus. Déclare avec moi, je crois dans le sang de Jésus. Je crois dans le sang de Jésus. Je crois dans le sang de Jésus. C'est le sang-là qui coule dans mes veines. C'est une affaire de mémoire. Le sang, la voix de Christ en toi, la voix de la victoire du sang de Jésus, doit être supérieure à la voix du sang qui te condamne, doit être supérieure à la voix du sang qui te limite. Tu me comprends, cher frère? C'est une affaire de quel est le sang qui crie plus. Il y a un sang qui crie contre toi et qui dit pauvreté, qui dit misère, qui dit maladie, qui dit je ne sais pas quoi.
mais il y a le sang de Jésus. Et déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Brenda, ça. Et pendant que tu... Amen. Non, je peux dire. Alléluia. Pendant que tu déclares le sang. Pendant que tu déclares le sang. Et pendant que tu pries au nom de Jésus. Jésus vient, il brise à cette chaîne. Quelqu'un acclame Jésus et il te délivre de ce sang. Alléluia. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Mais il y a un autre lien dans l'âme dont je parlerai le samedi prochain. Donc vous avez celui-là et puis le voile qui était sur les yeux de Jésus. Pour ceux qui suivent le message du dimanche, vous savez quand on parle de voile, ça veut parler de Lot. Et quand on parle des deux autres aspects, ça nous fait parler de certains aspects qui sont relatifs à Térakh. Mon message de demain, c'est vaincre les esprits de la maison de ton père. Parce qu'il se peut que dans la mémoire du sang, la mémoire du sang abrite des esprits, cache des liens, toutes sortes d'esprits. Je ne dis pas cela pour t'effrayer, je dis cela pour te donner une information. Mais l'information qui est la plus capitale, peu importe l'ampleur, la façon dont le mal a été ancré en toi, je suis allé même jusqu'à ta conscience. Il faut que tu crois dans le sang de Jésus. Il est puissant. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus, c'est comme on dit, il faut laver quelque chose au cachet là. Le sang de Jésus rentre là-bas, il brosse, il lave, il enlève tout ce que tes parents ont fait. Il enlève la limitation financière. Il enlève. Jésus dit, déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Bon, on peut tout briser, hein, mais les deux autres aspects, samedi prochain. Alors, sur la base de lever Jésus, le nom au-dessus de tout nom, et sur la base de la puissance qui est dans le sang de Jésus, nous voulons prier le Seigneur pour ces sujets et croire dans la miséricorde de Dieu, dans la grandeur de Dieu pour guérir nos frères et sœurs qui sont ici mentionnés. Alléluia. Même si aujourd'hui je ne lis pas tous les noms, comme je l'ai fait la précédente fois. Amen. C'est pas important. Toi-même déclare ton nom et crois que Jésus-Christ agit dans ta vie. Si tu veux passer que tu m'as écrit et que tu es, je veux prier, on va prier pour des cas liés aux os. Amen. J'ai des cas, des maladies qui sont liées aux os. On a par exemple, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, Cocola, qui demande qu'on prie pour sa mère, qui a des douleurs à la hanche, des problèmes de sciatique, arthrose pour la soeur Kay, hernie, problème de vertèbre, Valentin, un frère qui s'appelle Gérard, hémorroïde, qui a des problèmes, qui était malade parce que Jésus le guérit aujourd'hui. La sœur Patricia, névralgie, cervico-branchiale, douleur néphatique, hernie cervicale, arthrose dans la cervicale, dorso, lombarthrose, discopathie dégénérative des lombaires. Oui, c'est ce type de cas dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce sont des liens de la mort. Bosse sur la poitrine. Vous voyez, quand on voit ça, ça peut être une conséquence des liens de sang ou des liens de l'esprit. Peu importe. Ou des liens de la mort, pardon. Donc, peu importe la situation, Jésus traite cela. Si on a dit que c'est un mal qui t'entraîne à la mort, c'est que c'est un lien de la mort. J'élève Jésus, je dis c'est fini au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, amen. Ça c'était des maladies liées à tout ce qui est problème des os. On a des cas de maladies liées à la tête. Quand je parle de la tête, ça peut être les yeux, problème de surdité ou bien de manière intérieure. Par exemple, on a Sylvanie, un problème d'épilepsie, Fidèle, un problème bipolaire, pensée impure pour Nukunu, Clarisse, douleur des yeux, Conan Rose, hypertension artérielle, glaucome, AVC pour Elena, sinusite, Alébé, apnée du sommeil pour sa maman, trisomie 21 pour Laurette, épilepsie pour Daniel, Emmanuela, retard du langage pour Abigail, Alzheimer pour Joséphine, elle est guérie au nom de Jésus, glaucome, etc., kératite cataracte de Ngessi,
cancer du pharynx. Moussa Djikoumba, cancer du pharynx. Ah, c'est pour la même personne, c'était répété. Problème d'audition. Des personnes qui ont écrit pour des cas de possession. Schizophrénie pour une sœur Nathalie, etc. Nous croyons en la grâce de Dieu pour chacune de ces personnes. Au nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Jésus, ton nom est élevé. Problème lié au cœur. Cardiopathie, palpitations, hypertension, diabète. Pour des personnes comme Mariama, l'adepte, Massengo, Cindy, Tsongoa, Émilie, Athanase, Laurent, Grâce. Que Dieu vous guérisse aujourd'hui au nom de Jésus. Chantez avec moi. Brinda bradas lorianda bradas urubaralake. Brinda bradas urubarala glorianda baba chetiri de brousse. Problème lié au sang, maladie du sang, diabète, drépanocytose, insuffisance rénale. Jouez doucement, jouez en dessous. Diabète, mal d'estomac, pour Mariette, Orlus, Gladys, Paul, Sylvestre, vomissement, diabète, leucémie, drépanocytose, diabète, anémie falciforme. Voilà, toutes ces choses. Hépatite C, leucémie aiguë, drépanocytose, VID-19, pour Mariama, insuffisance rénale, pour Ondo, insuffisance rénale, diabète type 1. Non coagulation du sang pour Laurence. Bêta thalassémie mineure. Tout ça sont des maladies liées au sang. Jésus est élevé. Le sang de Jésus est élevé. Notre Jésus est élevé. Récatarian d'abradasso. Sinusite chronique. Ulcère, mal d'estomac, difficulté à respirer, fièvre. Pour cela, pour Annette, Palmus, Carmel, Claudia, Franck, Alexandre. Merci Seigneur Jésus pour tes œuvres. Brinda Soro Barala Glorianda Brada Sere Barala Kotari Babro. Raïdeslo. Ici, Lorette, par exemple, les médecins ne voient pas de quoi elle souffre, mais elle souffre dans son corps. Jacques m'a dit cancer du côlon, Annie dans le foie. Cancer des voies biliaires, endométriose, fibro, etc. Kyste, stérilité, myome, ulcère. Merci Seigneur Jésus. Merci tous ceux qui sont des maladies qui sont liées à l'abdomen. C'est ce qu'on a traité au nom de Jésus. Mais notre Seigneur Jésus est plus grand. Notre Seigneur Jésus est élevé. Notre Seigneur Jésus est au-dessus de tous ces problèmes. Seigneur Jésus, tu es plus grand que tous ces maux. Tu es plus grand. Problèmes liés aux appareils reproductifs. Nécrospermie, pourquoi si, endométriose, adémiose pour Yasmine, mal de ventre et mal aux articulations pour Virginie, règles douloureuses pour Marianne, Caril, kyste des testicules, dépassement de la date d'accouchement pour Dimi, Rebecca, Eunérésie, fibrome. Jean, éjaculation précoce, Odraogo, diabète avec inconvénience urinaire, Chieboko, oh Jésus, problème de stérilité, problème d'enfantement, etc. Cancer au niveau de la jambe, merci Seigneur Jésus pour les guérisons que tu opères. Oh, nous continuons de dire et d'élever Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, yeah, yeah, Jésus. Le Père Étienne, problème du foie, mauvaise haleine, mot répétitif, ça c'est différent type de cas. Retard, blocage, mal de pied, psoriasis pour René, Clémence, mal de pied, retard pour Dao, Priscilla, mauvaise haleine, haleine, Éonie, Émilie, Anoko, Karina, glaucome, prostatite multiple, fibro, cancer du sein plus anémie, mal de nerf, kyste du sein. Mais Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Diabète. Mais Jésus est plus grand. Quelle que soit la maladie, Jésus est plus grand. Hypothèse.
Tony, Yabeti, pour Marie, Lucas, Zena, Michel, grâce. Seigneur Jésus, tu es plus grand que toutes ces maladies citées ici. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, disons ensemble, Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oui, je veux dire encore, Jésus, proclamer Jésus, et déclarer que Jésus, hein, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es élevé au-dessus de tout. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, tous les genoux, toute maladie, tout problème, fléchit les genoux. Se prosterne, ça veut dire se soumettre à ta parole, qu'il soit sous la terre, qu'il soit sur la terre ou qu'il soit dans les cieux élevés. Père, nous avons parlé aujourd'hui des liens de la mort. Plusieurs des cas qui ont été cités ici sont comme condamnés à aller vers la mort. Mais Jésus-Christ et d'autres sont pratiquement dans le tombeau. Mais tu es celui qui a vaincu la mort. Tu dis, ne t'étais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance. Nous savons que tu es Dieu, nous savons que tu es grand, nous savons que tu es au-dessus de tout et que ces hommes et ces femmes sont délivrés dans le nom de Jésus. Nous savons aussi, Seigneur Dieu, que d'autres personnes, ce n'est pas des liens de la mort, mais des liens de l'âme par rapport à des choses que leur sang a mémorisées, des réclamations, des voix, des mauvaises habitudes, des mauvais caractères et toutes sortes de choses qui ont entraîné des maux dans leur corps. Je ne vais pas seulement prier pour eux, mais je vais aussi prier pour tous ceux qui ont des défis professionnels, sociaux, car nous sommes au samedi où tu fais des miracles. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. Nous savons que tu es au-dessus de tout. Et Seigneur Jésus, je sais, Papa, que tu m'exauces toujours. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu changes la vie, tu dis une chose et elle arrive. Tu brises une chaîne et personne ne peut la ressouder. Tu ouvres une porte et personne ne peut la fermer. Tu fermes et personne ne peut ouvrir. Et tu as déclaré dans ta parole que ces hommes et ces femmes dont les noms sont mentionnés ici et tous ceux qui me suivent aussi en direct et qui ont leurs mains tendues vers l'écran et qui croient en toi, reçoivent à cet instant précis leur restauration, leur guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tout démon, tout esprit impur, à la base d'une de ces maladies quelconques, je te condamne dans le nom de Jésus et je t'ordonne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, de t'en aller maintenant, de t'en aller maintenant, de t'en aller maintenant. Le Saint-Esprit me demandait m'a amené vers, pratiquement vers la feu, vers la personne qui s'appelle Sandra Doma. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es libre maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur, tout démon, tout esprit de folie, tout esprit de démence, tout esprit d'anémie, tout esprit de cancer, tout esprit de sida, tout esprit de VIH, tout esprit du vide zéro, tout esprit de mort, tout esprit de blocage, tout blocage, dans le nom de Jésus, je vous ordonne de vous en aller maintenant, au nom de Jésus, je repousse tes œufs, tous les démons qui s'abritent à l'intérieur, je vous chasse et vous ne revenez plus jamais, maintenant, dans le nom de Jésus, la mort est en train de partir, les ténèbres sont en train de s'éloigner de toi, les mémoires du sang sont effacées par le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la victoire, parle plus fort. Que tout sang qui t'accuse, les sangs d'accusation se taisent face au sang de Jésus. Le sang de Jésus, j'élève ton sang Jésus, je glorifie ton sang Jésus. Par ton sang nous sommes lavés, par ton sang nous sommes purifiés, par ton sang nous sommes régénérés, par ton sang le compteur est mis à zéro, par ton sang une nouvelle alliance est tissée. Jésus, merci pour la vie, merci pour la victoire, merci pour la victoire. Dans le nom de Jésus, les chaînes tombent, les liens sont brisés, les liens sont brisés, les liens de la maison de ton père. Les blocages qu'a connu ton père, là où tu ne peux pas avancer, dans le nom de Jésus, je les détruis maintenant. Je brise ces chaînes, je brise ces liens. Tu avances maintenant dans la vie. Je déclare, comme Jésus-Christ l'a dit, déliez-la et laissez-la partir. Déliez-le et laissez-le partir. Dans le nom de Jésus, tu es délié et tu avances. Tu es délié et tu marches. Tu es délié et tu bouges. Tu es délié et tu progresses. Tu es délié et tu avances. Tu es délié du sida et tu avances. Tu es délié de la paralysie et tu avances. Ton enfant est délié de la mort et il avance. Ton enfant est délié de la folie et il avance. Il est délié de la trisomie 21 et il avance. Ta fille est déliée du retard mental et elle avance.
Tes enfants sont déliés du retard intellectuel et ils avancent dans le nom de Jésus-Christ. Déliez-le et laissez-le partir. Déliez-la et laissez-la partir. Tu es délié maintenant. Les chaînes sont brisées. Les liens tombent par la puissance du nom de Jésus. À l'instant même, la vie de Dieu entre dans les corps. Le sang de Jésus-Christ est en train d'opérer. Et la restauration, les guérisons, la visitation divine a lieu. Il en est ici dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen. Jésus est le plus grand, le sang de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame très 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 fort le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous savons que ces hommes et ces femmes ont été guéris, que quelqu'un est sorti des chaînes de la mort. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme je t'ai exhorté tantôt, ce message-là est rattaché à celui que tu vas entendre demain. Donc, ne manque pas aussi le culte du lendemain. Voilà. On va parler. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur est sorti, il va. Et le texte public dit, il revient. L'esprit dit, je vais revenir dans ma maison. Donc, il se sent propriétaire d'une chose. C'est pourquoi tu vas écouter. Les deux messages sont complémentaires. Ici, je chasse les esprits et on brise les liens par lesquels ils détiennent ta vie. Mais il faut aussi enlever l'endroit sur lequel ils s'opposent, qu'ils considèrent être leur propriété dans ta vie. Ok, gloire à Dieu. Amen. Donc, ne manque pas aussi le culte de demain. Nous voulons dire merci à Jésus pour ce moment, selon notre bonne coutume de lui rendre grâce pour chaque parole qu'on reçoit. Aujourd'hui, la parole que tu as reçue, c'est que Jésus t'a délivré. C'est la bonne nouvelle de Christ. Alléluia. Ne sois pas comme Marthe. Ne dis pas que c'est trop tard. Crois simplement. Crois simplement. Toute autre voix que tu entends, qui te dit que tu vas mourir, qui te dit que tu seras toujours bloqué, rejette-la comme étant simplement un mensonge. Alléluia. Alors, si tu veux dire merci, amen à cette parole, comme nous avons coutume de le faire, tu vas préparer ta deuxième offrande pour dire merci au Seigneur. Mais le deuxième panier qui passe est l'opportunité pour chacun d'entre nous d'honorer un vœu. Certains ont pris des engagements concernant la construction, d'autres en ont pris pour le club de vie, pour nos croisades d'évangélisation, et encore, ou par rapport à la construction. Alors, quel que soit ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous avez à faire. Les enveloppes bien mentionnées qui seront ramenées à l'église et les différents moyens de paiement en ligne. Nous allons apporter au Seigneur tout en suivant les good news, les bonnes nouvelles de Vazonneur. Allô pasteur, souhaitez-vous parler à un pasteur pour une écoute, des conseils, un encadrement, un suivi spirituel ou la prière? Appelez 24 heures sur 7 Allô pasteur au +225 69 00 69 49. Vase d'honneur, une église à votre écoute et à vos côtés. De vie, nous communiquons la vie. Le Club de vie, c'est aujourd'hui des milliers de membres dans le monde. Toi aussi, rejoins-nous au Club de vie avec seulement 10 dollars, 10 euros, 10 livres ou 5000 francs par mois. Soutiens les actions d'évangélisation du ministère Message de vie avec Pasteur Mohamed Sanogo pour communiquer la vie. Inscris-toi vite sur www.messagedevie.org ou envoie ton nom, prénom et contact par SMS ou WhatsApp au +225 97 100 100. Club de vie, nous communiquons la vie. On peut acclamer le Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. Et comme tu viens de le voir, on aura un programme spécial pour la Pentecôte. Et je me posais la question de qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis j'ai eu un petit moment de retraite et l'Esprit m'a convaincu d'avoir ce temps-là qu'on a appelé effusion. Alléluia. Pour vous parler de l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur nous. Amen. Et ce moment, on va l'avoir donc pour le lundi de Pentecôte. Donc, dimanche prochain, on donnera d'autres enseignements, mais tu as les infos déjà qui sont passées, puis on va davantage communiquer là-dessus. Donc, le lundi de Pentecôte, un temps pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, à une autre dimension. La maladie qui a frappé le monde, qui a paralysé le monde, le vide zéro,
est un signe annonciateur des temps de la fin. La Bible dit dans les derniers temps seront difficiles. Mais il y a aussi un verset qui dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, il y a un verset qui dit, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et nous sommes dans des temps difficiles. Mais Dieu ne s'arrête pas aux temps difficiles. Il dit aussi, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je sens par l'Esprit de Dieu qu'il y a une effusion particulière qui va venir maintenant sur les croyants. Et ce lundi-là de Pentecôte, je veux prophétiser. Tu as besoin d'une dose supérieure d'onction pour tenir tête et pour vaincre les formes d'adversité des temps de la fin. Tu veux t'équiper de manière toute particulière. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps de te lire les nombreux témoignages des prodiges de l'assistance divine. Déjà même, on a des personnes, des témoignages ici que j'ai devant moi là. Ils ont eu 2-3 offres d'emploi. Des personnes sauvées, des loyers. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire ce que beaucoup de membres de Vase d'Honneur ont vécu, ont connu pendant ces programmes. Alléluia. Et ce n'est pas seulement Vase d'Honneur, j'écoutais d'autres frères, d'autres soeurs, d'autres églises. Vraiment, Jésus fait de grandes choses. On n'a pas à avoir peur, quelle que soit la pression qu'il peut avoir autour de nous. Nous sommes la prunelle des yeux de notre Seigneur. Il veille sur toi. En particulier, tu ne mourras pas. Ne panique pas, n'aie pas peur. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Mais maintenant, tu vas recevoir une dose d'onction supérieure pour opérer à un autre niveau. Amen. Donc, ne manque pas ce programme-là, bien sûr, qui sera en ligne. Alléluia. Mais pour nos frères et sœurs qui seront... on ne sait pas, peut-être à Abidjan, ici, on va, d'ici fin mai, on va lever toutes les restrictions. Donc, on pourra se retrouver physiquement, si c'est le cas. Gloire à Jésus. Alléluia. Sinon, ce sera un programme en ligne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons recevoir nos nouveaux. Les nouveaux en ligne, c'est ceux qui viennent de décider de donner leur vie à Jésus. Tu vois, tu as écouté ce message et tu es dans les liens de la mort si Jésus n'est pas dans ton cœur. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu es mort, quoique vivant. Le lien de la mort, qui est un lien qui ne t'amène pas seulement dans le tombeau, mais qui est un lien qui t'amène à l'enfer, peut être brisé en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne-lui ta vie. Pendant qu'on va chanter pour recevoir la nouvelle personne, toi aussi, lève-toi. Il y a des informations qui passeront sur l'écran. Tu vois, il y a un code QR qui est là. Il y a un numéro WhatsApp. Tu peux le joindre et tu vas être suivi pastorellement. Amen. Tu scannes et tu vas suivre un petit programme et on va t'intégrer à cette famille en Jésus-Christ, aidé par cette communauté Vase d'Honneur. Ton Dieu veut te bénir. Et pour le chant des nouveaux qu'on va chanter maintenant, il est aussi pour tous ceux qui sont pour la première fois en ligne. Alléluia. Pour nous, les boss, les serviteurs de Dieu, on a une mission, c'est de partager ces messages pour que de nombreuses personnes soient sauvées chez elles en écoutant la parole du Seigneur. Alors, avec Worshipper Family, on va recevoir tous les nouveaux, tous ceux qui sont à leur premier programme avec nous et tous ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Ce chant, il est pour vous. On y va. Soyez les bienvenus. Oh oui, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à Vase d'Honneur. C'est si bon de te voir parmi nous ici à Vase chez toi. Et on fait quoi? On t'ouvre les bras et on te dit à quoi pas, à quoi pas, à quoi pas. Amen. Quelqu'un pousse des cris de joie pour nos nouveaux. Maintenant, prête-toi à recevoir la bénédiction divine. 1, 2, 3. Reçois grâce et sois béni, 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 béni. La paix de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Reçois grâce et faveur. Bienvenue. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. Quelqu'un pose des cris de joie pour toutes les nouvelles personnes. Amen. Alors vraiment, toi qui veux donner ta vie à Jésus, dis avec moi simplement, Jésus, Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sauve-moi de la mort. Sauve-moi de la mort. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du péché. Je décide de marcher avec toi. Je décide de marcher avec toi. Mon Seigneur est mon Sauveur. Mon Seigneur est mon Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Amen. Amen.
Oui, mon frère, par cette prière très simple mais très efficace, tu es sauvé. Tu dois maintenant être baptisé. C'est pourquoi suis les programmes qui sont là et dès que l'occasion nous sera donnée, on va te baptiser selon les recommandations que nous a données le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, avant de te laisser, on va prendre la Sainte Cène. Je veux que tu prennes la Cène aujourd'hui de manière très spéciale. C'est vrai, le pasteur André va venir conduire le moment, mais tu dois le prendre avec vraiment un esprit de la mémoire. Rappelle-toi la victoire de Jésus. Amen. Si tu vis un blocage quelconque et qui perdure depuis longtemps comme un lien, je dis que samedi prochain, je vais encore développer ce que j'appelle les liens de sang. Ok? Si tu vis encore un blocage de ce type, rappelle-toi la victoire de Christ à la croix, le sang de Jésus. On a parlé des sept effusions du sang de Jésus, ok? Mais bon, là, je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui. Mais dis que le sang de Jésus a payé. Et quand tu prends le sang, Jésus a dit, fais ceci en mémoire de moi. Rappelle la victoire, rappelle la victoire. Ce n'est pas seulement pour les cas de maladie. C'est toute information, tout lien qui ne te permet pas d'aller de l'avant, de voir correctement, d'avancer, doit être brisé. Si ce n'est pas un lien de la mort, c'est que c'est un lien de l'âme. Et tu vas traiter avec lui par la Sainte Cène aujourd'hui. Donc pendant la Sainte Cène, il va se produire encore de grands miracles. Mais pour terminer, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction divine. Amen. Les bénédictions sont trop puissantes. Alléluia. J'ai une famille, par exemple, ici. Le Seigneur l'a visité avec son épouse financièrement. En plein confinement, il a été embauché et il est payé tout en étant à la maison. C'est-à-dire, on l'a embauché. Et puis, on l'a embauché, on ne l'a pas encore vu au travail, mais on dit, on le paye. Alléluia. Amen. Et sa femme aussi continue d'être payée malgré qu'elle n'aille pas au travail. Est-ce que tu comprends que nous sommes distingués? Je prophétise et je déclare que tu as une semaine distinctement distinguée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix de Dieu avec toi, la grâce divine avec toi. Ce que Dieu l'a annoncé, il le fait. Ce que Dieu le déclare, il le fait. Sa faveur est avec toi, sa faveur est avec toi. Il y a un frère ici qui me rend le témoignage. Il dit lui participer aux prières de prière 24. Je t'exhorte aussi à participer à prière 24. On n'a pas terminé. Le mal est en train de disparaître sur la terre. Mais nous, on doit garder les mains levées jusqu'à ce qu'on n'en entende plus parler. Alors, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Inscrivez-vous à www.prière24.org. Prenez votre temps de prière. Prenez une heure de prière. Ne lâchons pas la prière. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il faisait ses prières, Dieu lui a ouvert des portes. Il a reçu plein d'argent, des gens qu'il avait oublié. Le souvenir de Dieu s'est manifesté et il a été remboursé, payé. Et il avait des arriérés par rapport à son propriétaire. Mais il voulait changer de maison, tu comprends? Lui-même aussi, il voulait déménager. Mais il dit avant de déménager, il faut qu'il paye ce qu'il doit. Donc, lui-même, il n'a même pas fini de réfléchir à ça, c'est son témoignage. Le propriétaire vient le voir. Oh, ils avaient déjà trouvé la maison, ils voulaient partir. Le propriétaire vient le voir. Monsieur, nous sommes désolés. Est-ce que vous pouvez partir? Mais tout ce que vous devez là, on annule en même temps. Vous ne devez plus rien. Oh, le peu d'argent qu'il avait reçu, c'est ce qu'il voulait prendre pour payer sa dette de loyer. Et donc, pendant qu'il était en train de payer, aller payer la dette pour dire à ses propriétaires, maintenant, nous, on va déménager. Mais il n'avait pas l'argent pour payer la nouvelle caution. Ce n'était pas suffisant. Et on vient lui dire, monsieur, vous ne devez plus rien. Gardez votre argent, partez. Et ils sont partis dans la nouvelle maison. Tu sais, tout ça, Dieu a fait ça pendant cette période. Dieu va te surprendre. Tu connais une visitation de souvenirs divins extraordinaires. Dans cette période, cette semaine pour plusieurs sera une accélération divine hors du commun. De la mémoire va revenir. Des souvenirs de Dieu vont se manifester pour toi. Au nom de Jésus, la guérison divine. Et j'entends protection divine. Je ne sais pas pourquoi, j'entends vraiment protection divine. Dieu te garde. Dieu garde ta maison. Dieu garde tes parents. Dieu garde le pays. Dieu garde les nations. Dieu garde. Soyez bénis, soyez protégés, soyez distingués. Au nom de Jésus, excellente semaine et rendez-vous dimanche à demain donc pour notre culte à 9h. 9h, ne manquez pas le culte. Amen. Alléluia, nous voulons acclamer le Seigneur pour ce temps puissant et miraculeux. Alléluia, alléluia, acclame encore fort le Seigneur dans ta maison, au milieu de ceux qui sont avec toi, parce que le témoignage de Jésus a visité ta maison, la santé divine est avec toi. Mais la Bible dit aussi une chose, que sa parole est une nourriture, et nous voulons partager cette nourriture à l'image, au symbole de son corps, et boire de son sang. C'est le moment de la Sainte Cène.
Et ceux qui sont conviés au repas du Seigneur, bien-aimés, ce sont ceux qui sont passés par les eaux du baptême. À l'image d'être plongé dans les eaux, le baptême par immersion, et être sorti des eaux à l'image de la résurrection en Christ Jésus. Ce sont ces personnes-là qui sont conviées à ce repas. Et l'occasion vous est donnée, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, de donner votre vie au Seigneur, d'être baptisé. Nous reprendrons nos baptêmes une fois que les cultes vont reprendre en présentiel. Alors, bien-aimé, engage-toi à suivre le Seigneur. Et pendant que tu es en train de disposer les éléments de la Sainte Cène dans ta maison, j'ai nommé ainsi le pain et ainsi que le jus de raisin, nous allons prendre une portion des Écritures. Je suis dans le livre de Jean, au chapitre 6, et je commence au verset 56. Il est dit ceci, « Parce que Jésus a dit, ces instants, nous devons ramener à notre esprit, à notre mémoire, ce que est la puissance de cette alliance-là au travers du sang et de son corps. » Il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Il était en train de leur dire, quand vous allez manger ce pain que moi je vous donne, n'ayez pas en mémoire le pain que vos pères ont mangé dans le désert. Ça veut dire, n'ayez pas une mauvaise pensée. La mémoire, il leur disait, dans le désert, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais Jésus, lui, quand tu manges de son corps et tu bois de son sang, il dit ici, le Père vivra en toi. Celui qui vivra, qui mangera cela, ce pain de vie, vivra éternellement. La pensée de l'éternité ici, c'est déjà de savoir que Jésus-Christ a acquis la guérison pour nos corps, pour l'éternité. Si tu as Jésus-Christ en toi, non seulement la puissance de l'éternité, c'est ça qui ramène à la vie divine en toi, va produire une transformation. Et ce soir, pendant que tu as tous ces éléments, nous allons communier à ce repas qui est spirituel. Alléluia. La Bible dit, chaque fois que nous faisons et que nous prenons ce repas, de nous rappeler de ce que Jésus a accompli à la croix. Il nous rappelle que la nuit où Jésus allait être crucifié, Jésus prit du pain. Il le rompit et rendit grâce en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Au travers de la puissance de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, Jésus a vaincu les liens de la mort. Ce soir, en prenant le corps de Christ, nous communions avec la victoire de la croix, cette puissance qui a vaincu, brisé les liens de la mort. Au nom de Jésus, ensemble, mangeons le corps de Christ. Et ta victoire, le sang, dans ton sang, Seigneur. Verset que nous avons lu, le sang de Jésus est ici présenté comme étant un breuvage. Il dit, celui qui boit de mon sang aura la vie. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et nous voulons nous rappeler que cette nuit-là, Jésus, prenant la coupe, a présenté le fruit de la vigne en disant, ceci est mon sang. Ce sang est le sang de la nouvelle alliance en Christ. C'est au travers de la puissance de Christ à la croix qu'il a triomphé de la mort. Ce soir, je veux te dire qu'au travers de ce sang, il y a une transfusion sanguine dans ton corps. Toute forme de maladie, toute forme de lien sont neutralisées par la puissance et le témoignage du sang. Ensemble, buvons le sang de Christ. Saint-Christ,
vous bénisse et bonne soirée. Nous nous retrouvons demain à 9h GMT pour notre culte de célébration et d'adoration.